Donc je suis élu au Parlement européen depuis le 7 juin 2009. Je siégerai dans deux commissions dominantes économiques, la commission des affaires économiques et monétaires et la commission marché intérieur. Dans les deux cas, ce sont deux commissions importantes puisqu'elles sont en codécision, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises au final par l'Union européenne doivent être prises en commun par le Parlement européen et par le Conseil des États. Ce qui veut dire que la position prise par le Parlement européen a beaucoup de poids sur ces questions-là, sur des domaines liés à la régulation des marchés financiers, aux services d'intérêt général, à la protection des consommateurs. Et je m'investirai sur ces thématiques au travers donc, de ces deux commissions. Je rendrai compte régulièrement de l'avancée des travaux, des personnes que je rencontre, des propositions que je fais et que l'on porte au sein du groupe des Verts au Parlement européen. Je rendrai compte sur ce site pour avoir effectivement aussi une vision peut-être plus large de ce que l'on porte comme vision politique dans le domaine économique et social. Il est possible aussi de se référer aux deux livres que j'ai écrits et qui sont téléchargeables gratuitement sur ce site, Le contrat écologique pour l'Europe et L'économie verte expliquée à ceux qui n'y croient pas.